Ah, le journaliste, tu veux parler du match ? On va en parler du match. On va commencer par le côté positif. Côté positif, j'ai marqué. T'as vu ce but que je t'ai mis là ? Hop, un petit coup, paf, côté droit, le goal, il a rien vu. Bon, je remercie quand même Krotarimovic, qui a fait une petite passe. Bon, c'était pas la plus belle, mais grâce à mon talent, j'ai su réceptionner quand même. C'était tellement un match de merde qu'il n'y a que ça de positif. Donc là, on va attaquer le négatif. Déjà, l'arbitre, l'enculé, là, tu sais, Barbossa, là, qui me colle un putain de carton jaune, là. Je lui ai fait quoi ? Je lui ai même pas cassé la jambe, il s'est relevé. Non mais, on met des cartons jaunes quand on casse les jambes, c'est tout. Ah là, je suis dégoûté. Puis bon, après, il y a quand même Joker Parano. Faut en parler. Il a voulu faire comme Zidane, tu sais, hop, petite barre, but. Sauf qu'il a pas son talent. Ça a fait petite barre et puis, que dalle, quoi. Alors franchement, là, ça va pas du tout, Joker, va falloir t'entraîner un petit peu plus. Puis bon, on va pas oublier quand même le gardien, qui a réussi à se prendre 4 buts. Moi, je nomme personne. JGN, je le nommerai jamais, ce petit enculé, là. Va falloir qu'il s'entraîne, lui aussi. Dans l'équipe, il y a que moi qui est bon. Voilà, si vous voulez mon avis. Bon, sur ce, je vais me fumer une petite clope, là, j'en ai bien besoin. Non mais allô, quoi. Genre, monsieur l'arbitre, il me fout un carton jaune même pas mérité, et en plus, je vais vous répondre. Non mais sale tas de journaleux communistes anticonformistes plombés du cul, non mais j'hallucine, quoi. Ah oui, vous voulez mon avis ? Bon, bah on a perdu. Mais c'est impardonnable, surtout sur ces erreurs. Tout d'abord, on débute mal le match, mais on arrive à revenir pépère. On passe même devant le score. Et là, t'as Agüero, lui là, encore lui là, qui nous marque ce but d'égalisation. Mais comment c'est possible ? Et notre défense est passée complètement en travers. Je ne félicite pas Bips, Pikaka, Maxou. C'est une faute professionnelle d'avoir laissé marquer ce joueur qui nous fout la merde depuis longtemps. Sans parler des frappes manquées par nos attaquants, Grotarimovic et Edgar. C'est inadmissible, vous avez marqué de beaux buts. Puis après, j'ai fait de mon possible pour maintenir l'équipe sur le terrain. Mais je peux pas être au four et au moulin, ou dans la piscine et au jardin. Cette séance de tir au but, catastrophique, hein. Et l'Argentine, elle ne mérite sûrement pas cette victoire. Comme monsieur l'arbitre, hein, bah, il nous a volé ce match, tout simplement. Puis, bah, mention spéciale à Saint-Michel, mon petit roux favori, et sa tentative de désossement. Hein. T'as bien retenu l'entraînement de la dernière fois, c'est bien, je suis fier de toi, mon frère. Et puis bah, la prochaine fois qu'on croise Agüero, j'enverrai notre fétichiste Pikaka s'en occuper. Hein. Bon, c'est tout pour moi, au revoir. Putain, cet enculé de Barbossa là, on en veut plus hein. Si vous voulez qu'on continue à jouer, il va falloir se dégager cet arbitre de mes deux hein. On domine sur tout le match. Ça pour se faire enculer sur l'affaire, bordel. Eh, toi le journaliste là, tu baisses les yeux quand tu me parles hein. Ok. Ouais hein. Vous avez vu les techniques que j'emploie hein. Moi je suis un ouf. On sort un gros time movie dans le milieu. Bon, même si je suis largement au-dessus de Stoker, mais bon. Ça c'est la faute de l'arbitre là, cet enculé. Il est jaloux. Quel bâtard. À la fin du match, ça aurait pas dû se passer comme ça. Il nous a enculé mais à sec. Quel salaud. Bon, une petite analyse du match. Ouais, entre Klemtis et Joker, c'était pas vraiment un bon match. Ah, Klemtis, c'est sûr, il a du talent. Dommage qu'il en ait qu'à la fin. Hein. Ah, parce que du coup, pendant tout le début du match, bah, il a rien branlé. Du coup, bah, forcément, il n'y a pas de but. Joker, et il a tenté des trucs. Dommage qu'il ait pas de talent. Mais bon, ça, on n'est plus rien. Et puis, avec ça, hein, les autres ont un peu fait leur taf. Et Bibs, hein, alors, c'est bien gentil de faire des remarques. Hein. Mais quand on saute sur l'adversaire, hein, et qu'on n'est pas foutu de défendre, ça sert pas à grand chose. Alors, Bibs, faudra arrêter d'aller sauter sur tous les adversaires. Hein, certes, ils sont très beaux, mais faut arrêter. C'est des adversaires. Enfin bon, heureusement, Saint-Michel, il a quand même fini par marquer un but. Même s'il a d'agressé le joueur d'en face. Et Grotari, pour une fois, il a été bon. Eh ouais, il a mis un but. C'est étonnant, même moi, j'en reviens pas. Dommage que ça arrive jamais, quoi. Pas mal qu'il se bouge le cul. Heureusement, on a un bon chef d'équipe. Ça, c'est indéniable, puisqu'il nous a mis un petit doublé. Comme quoi, en plus de faire des acrobaties, il sait mettre des buts. Et ça, faut reconnaître, c'est très fort. Alors certes, je me suis pris un des tirs au but, le seul. Mais bon, il y avait vachement de soleil, des petits oiseaux, tout ça. Et puis, je suis pas aidé avec mon équipe. Vraiment pas bon. Enfin bon, faut vraiment qu'on fasse mieux au prochain match, parce que là, ça fait deux défaites. Et ça commence vraiment à craindre un petit peu. Une défaite, encore une fois, c'est vraiment dommage. Mais bon, on était pas forcément à fond dans le jeu. Un peu de flemme, un beau match qui se finit quand même sur une défaite. Les fondations étaient là, les bases du jeu, et elles ont fini par s'écrouler. Il fallait aussi prendre en compte que le gazon était mal tendu,
s'il franchement faisait que la balle ne roulait pas bien sur le sol et qui nous a empêché de faire de très belles passes et de marquer de beaux buts. Et voilà. Et toujours Barbossa qui est là. Talon,